Donc, vous apercevez le pasteur Alain Kipoulou. Il vient d'arriver avec sa femme. Le pasteur Alain a toujours été présent lorsque les frères ont besoin de lui. Je crois que le pasteur Alain est là. Bonjour, pasteur Alain. Bonjour, mon cher frère et ami. Comment allez-vous, pasteur Kipoulou? Ça va Alain? Très bien, merci. Tu es partout finalement. Tu es maintenant à Illinois. Tu es habitué à Iowa. Je te vois là, c'est une surprise ce matin. Vraiment, pasteur Alain, les enfants d'aider de la ville de Kalispour sont bénis. Vraiment, Berger Hinault est en train d'actionner l'œuvre du Seigneur. À tout moment, il cherche les hommes de Dieu pour prêcher. Vous êtes parmi les grands qui prêchent la parole. Aujourd'hui, les gens vont écouter ce que Dieu vous a mis dans la bouche. Nous voulons seulement savoir qu'est-ce que vous prévoyez, si ce n'est pas un secret, pour le peuple de Dieu. Non, quand vous avez un homme de Dieu qui est capable d'aller trouver la bonne nourriture, la bonne semence pour le peuple que Dieu lui a donné, c'est ça l'intelligence, c'est ça la sagesse. Il s'est apporté et trouver la bonne nourriture pour la bonne saison. Alors maintenant que nous soyons invités, c'est un honneur, un privilège que nous n'avons pas pris à la légère. Nous sommes fiers de participer. Tout à l'heure déjà, on aura un programme avec les serviteurs. Nous avons pour mission d'équiper les enfants de Dieu. Amen. Pour le préparer pour la grande moisson. Ça, c'est le temps de la fin. La moisson est tellement grande. Dieu a besoin de... Dieu coupa la mer de Israël, traversa à pied sec. À gauche, aquarium. À droite, aquarium. Mais c'est quoi même? Josué, homme de la même nature que nous, arrête un jour le soleil. Élie interdit à la pluie de tomber pendant 3 ans et 6 mois. Non, il faut comprendre quelque chose. Tu comprends, ministère international, parce que ça ordre dans le ministère international. Allez faire de toutes les nations mes disciples. Il y a un peu de la mission. Et deuxièmement, nous ne voulons pas utiliser le nom de Congo. Parce que Zamba a bien dit que Zamba a existé dans le Congo. Et Zamba a bien dit que c'est un ministère international pour les salis de ça. Pourquoi? Parce que les Américains, les Africains, les Asiatiques, tout le monde, mingi ba bimi li banda Zamba. Mais dans Zamba, on a posé ça, on a zong. Il y a un peu de j'aimerais ministère international pour les salis de ça. Na kadi no pas mal, va te va mal. Sobito sembla mi, esa mission. Bon. Esa mission. Quelque part il est sorti par les disciples matin à montagne à Gethsemane. Azonga kuti ba disciples ba lali. Abi bolali bo fena na tata mukete. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ça dit biso ba chrétien, mi bi prier sans cesse. Prier est une force à chrétien. Prier est un pouvoir à chrétien. Amen. Un chrétien qui prie beaucoup, même si bando qui baye, ba koko simbete. Amen. 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 Secret zaga moko. Zaga secret nous sommes. Donc, mouto assemble la mingi, ils appellent mouto pambo ma mingi. Tant que les gens ne comprennent pas, ah, mouto na pambo ma mandelenine. Secret zaga moko. Zaga ko sambela. Amen. Donc, soko sambela mingi. Au pas mon papa ming. Ce qu'on semble la moukie, il pas mon le pèse à moukie. Non, nous voulons plus que. Donc, pour la biso, secret à biso, secret à biso, ah, Isaac, prière. Secret à biso, Isaac, prière, prière. Toi, on a secret moussouté, toi, on a secret moussouté, donc, secret à biso, Isaac, prière, le sambo. Et moi, je m'en ai donc, biso, bah, oh, tu n'as pas moi, biso, bah, oh, tu n'as pas moi, donc, secret, Isaac, mon corps, c'est la prière. Merci, merci, Mingi. Vraiment, merci beaucoup, homme de Dieu. Vraiment. Bah homme de Dieu, oh yo. Marcel. Boye vivant vraiment. Papa il dit que vous êtes allé bien. Bah homme de Dieu, oh yo, boye vivant vraiment. Donc papa il dit, Aza, ko kambama kasi, t'es tout le monde. Donc t'as na. Yo ya Moli. Tout ça fait quoi ya? Mamou frère Galesbou. Ils sont les samedis et les dimanches. Vous serez aussi na église. Église ministère international. C'est pas dit. Ah ils ont 1200 Easter. Men suite. Donc, dans mon avis, dans mon avis, Mardo peut venir. Il a tout fait à. Tu sors prêt à mourir rapidement. Donc, Mardo est ça. Et le monde a pasteur Alain Kipoulou. Donc, va te bêler, va y venir. Voilà. C'est le pasteur qui parle. Oui. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Bon, comment Tokutani, le 28 samedi, dans 13h.
Et puis dimanche, na 11h. Dans 11h. Parce que dans le temps, ma pasteur Alain Kipulu, il y a qui chasse à Zam Kolo, aux États-Unis. Dieu coupa la mer en deux, Israël traversa à pied sec. À gauche, aquarium, à droite, aquarium. Mais c'est quoi même? L'Église ministère international pour le salut des âmes a organisé deux grandes journées pour accueillir le pasteur Alain Kipulu de Kinshasa. L'équipe Tout Savoir Télévision était tout à fait présente et a recueilli pour vous les impressions des gens et a questionné l'homme de Dieu, le pasteur Alain Kipulu de l'église Sentinelle sur le Mirail RDC. C'était un bon samedi. La télévision Tout Savoir a approché l'homme de Dieu, le pasteur Alain Kipulu. Nous vous laissons suivre ce qui s'est passé. Écoutez ce que l'homme de Dieu a dit à propos des dislocations des églises et les conseils de l'homme de Dieu pour les serviteurs de Dieu. La première journée était l'enseignement des serviteurs de Dieu, y compris la prédication. La deuxième journée était un culte normal pour l'édification du corps de Christ. Bienvenue chers téléspectateurs de Tout Savoir Télévision. Merci de nous regarder à chaque fois que nous avons besoin de vous pour regarder ce que nous sommes en train de faire, surtout lorsque nous recevons des hommes de Dieu. Nous sommes très contents aujourd'hui de venir rencontrer le pasteur Alain. Bon, on a prévenu pasteur Alain. Merci. Soyez les bienvenus dans cette ville de Galesbourg. Nous estimons que les enfants de Dieu sont bénis déjà parce que vous êtes venus de la part du Seigneur. Et vous êtes venu pour deux jours. Pasteur Alain, merci beaucoup parce que vous êtes toujours disponible lorsque les serviteurs vous appellent. Aujourd'hui, vous êtes reçu par l'Église ministère international pour le salut des âmes que le berger Ino Eli dirige. Quelles sont vos impressions lorsque on vous invite dans une église de vos frères Christ pour venir former les enfants de Dieu? Merci d'abord de te retrouver. Ça fait une année. La dernière fois c'était à 2017. À Iowa City. Pour nous, c'est pour ça que Dieu nous a appelés. Il nous a appelés et il nous a mis à la disposition de son peuple. Quand le Seigneur a besoin de nous, c'est comme cette âme qui a été détachée. On a dit, quand on va vous demander par le propriétaire, mais vous l'amenez, vous dites, oui, le Seigneur en a besoin. Donc à chaque fois que le Seigneur a besoin de nous, nous nous faisons disponibles. Quand ils m'ont dit qu'il fallait venir, j'ai dit, je ne m'occupe pas. Mais aussi en même temps, je suis très fier de ce qu'ils ont fait, de ce que Dieu a commencé à faire pour eux, qu'ils aient acheté cet endroit. Ils tiennent les cultes de ce temple, ça c'est une bénédiction. J'ai vu ça au loin, j'ai dit bon, il faudra aussi que j'aille voir comment ça se passe. Pasteur Alain, comment se porte l'église à Kinshasa, en République démocratique du Congo? Si je dois regarder avec les yeux de celui qui est mort sur la croix pour son église, je dirais très bien parce qu'il a dit les portes de séjour de mort ne prévaut donc point contre son église. Donc selon Dieu, c'est le plan de Dieu qui l'emporte. Mais bon, c'est vrai, techniquement parlant, il y a des petites choses à fixer à régler, mais sinon dans l'ensemble, on bénit le Seigneur pour ce qui se passe. Quels sont les enseignements que vous allez donner aujourd'hui? Parce que les gens savent que vous allez enseigner la première journée. Parce que nous sommes aujourd'hui samedi, chers amis.
28 avril 2018. Et vous commencez par les enseignements. Est-ce que les gens peuvent savoir quels sont les enseignements en question? Bon, c'est comme je l'ai dit tantôt, Dieu n'utilise personne s'il ne l'a pas équipé, s'il ne l'a pas formé, s'il ne l'a pas brisé. Il commence toujours par la formation, ça c'est tout. Alors, considérant qu'ils sont ici dans ces pays pour la conquête et la moisson de ces fins de temps, je crois que Dieu voudrait aussi les équiper, les préparer pour pouvoir être à même, être efficace et en mesure de conquérir pour le royaume. Alors c'est comme ça que nous nous mettons disponibles. Personnellement, je ne dirais jamais la chance de la bénédiction. Moi, j'ai eu la bénédiction d'être préparé, équipé, formé au Redeemed Christian Church of God, au Nigeria. Mon général overseer, tout mon pasteur, mon père spirituel, c'est le pasteur I et Adémoïe. Les gens qui entendent ces noms, ils savent, ça c'est la meilleure des écoles. Donc j'ai eu la bénédiction d'être dans cette école. Nous avons été formés. Alors ça va faire maintenant plus de 20 ans que je suis en train de servir Dieu. Je me dis, pourquoi ne pas échanger, pourquoi ne pas partager ce que nous avons reçu, qui nous aide, qui nous tient, qui nous maintient avec nos fils, nos frères, nos amis, nos collègues pasteurs. Pourquoi ne pas partager cette expérience pour pouvoir les équiper aussi. Donc, c'est pour ça que nous sommes là. Le fer aiguise le fer. Vraiment, nous allons continuer, chers amis. Nous continuons avec les pasteurs Alain. Nous allons inviter les responsables de l'église, les bergers Ino. Bergers Ino, si vous pouvez venir, déjà vont écouter aussi les votre part. Bonjour, bergers Ino. À gauche, aquarium, à droite, aquarium. Mais c'est quoi même? Josué. Retomber, c'est devenir efficace dans ce que nous faisons. C'est l'efficacité que nous voulons. On ne doit pas travailler pour la décoration, pour les décors, non. Dire je suis là, je suis serviteur de Dieu, l'église est là, ça suffit, non. Il faut maintenant être efficace et être utile entre le main de Dieu et la communauté dans laquelle vous vivez. Il faudra que la communauté commence à regarder d'où viendra la direction de l'église, d'où viendra la direction de l'homme de Dieu. Mais si l'homme de Dieu, comme a dit Paul à Timothée, si l'homme de Dieu n'est pas préparé, n'est pas équipé, à quoi il servira? Donc c'est dans cet objectif-là que nous sommes ici, pour pouvoir équiper le frère, les sœurs, pour qu'ils soient efficaces dans le service. Donc c'est pour ça. La Bible dit dans le livre de Ésaïe, c'est parmi les versets clés que nous allons utiliser, Ésaïe 53:10, il dit « L'œuvre de l'Éternel prospérera entre tes mains ». Si l'œuvre de Dieu doit prospérer dans le main d'un serviteur, il doit être bien équipé pour que l'œuvre prospère, pour que ce ne soit pas une perte ou un gâchis entre les mains de ses serviteurs. Donc voilà un peu. Merci beaucoup, pasteur Alain. Je crois que les gens sont attentifs. Et j'espère que le bien-aimé pourra voir la vidéo dans la suite de ce programme pour effectivement, même ceux qui nous suivront un peu plus tard, sachent de quoi est-ce qu'il est question, qu'il sache qu'est-ce qu'il faut savoir, etc. Bergé Ino, bonsoir d'abord. Bonsoir Marcel. Beaucoup de gens vont vous regarder parce que vous êtes les responsables de cette église. Nous sommes les enfants de Dieu, sont bénis parce que le pasteur Alain Kipoulou est là de l'église Les Sentinelles sur les Mirailles. Nous voulons seulement savoir pourquoi vous avez fait le choix d'inviter le pasteur Alain Kipoulou de venir former ou soit faire les enseignements bibliques pour les serviteurs ici. Pourquoi vous avez jeté votre dévolu sur cet homme de Dieu, le pasteur Alain Kipoulou? C'est notre aîné et j'ai eu beaucoup d'informations à propos de lui. Et j'ai suivi aussi sa manière d'enseigner le peuple de Dieu. Et à cause de cela, j'ai décidé
de l'inviter d'être ensemble avec nous pour nous transmettre la connaissance que Dieu lui a donnée. C'est ça. Et quelles sont les attentes des serviteurs qui seront présents ce samedi? Parce que normalement, il va prêcher et il va enseigner les peuples aidés. Qu'est-ce que vous attendez après ces enseignements? Parce que vous êtes responsable et nous espérons que les serviteurs qui seront formés ici seront utiles dans l'œuvre. Maintenant, quel sera l'après-enseignement? Qu'est-ce que vous prévoyez juste après le passage de l'homme de Dieu, le pasteur Alain Kipoulou? Je crois que ce que nous sommes en train de prévenir, c'est Dieu qui le connaît, parce que ce qui est important de recevoir, ce que l'homme de Dieu va transmettre à son peuple. Et je prie que tout le travail que l'homme de Dieu va effectuer dans ce lieu, ça soit bien accueilli sur les enfants de Dieu. Ah. Que les diables ne puissent pas ravir la sémence que Dieu va mettre dans leur tête. C'est ça ce qui est important pour moi. Vous avez un message pour les autres serviteurs, parce que beaucoup de serviteurs sont en train de regarder ce qui se passe ici dans l'église du ministère international pour le salut des sables. Il y a des hommes de Dieu qui passent. Donc vous êtes en train d'actionner. Donc vous faites l'œuvre de Dieu dynamique. Alors, peut-être beaucoup vont se dire, ah, mais pourquoi seulement chez Eddy Hino? Pourquoi pas nous? Est-ce que vous avez un message, un secret? Quel est votre secret? D'abord, l'homme de Dieu est ouvert pour toute l'église parce qu'il est missionnaire. Un missionnaire n'a pas le choix de l'église. Et son rôle, c'est pour transmettre, ainsi dit l'Éternel. Donc, il est là pour transmettre. Et pour le moment, je demande au peuple de Dieu de venir nombreux ici parce que nous avons eu cette grâce-là. Et je crois que ce ne sera pas la première fois ni la dernière fois. Donc, il est là pour édifier le peuple de Dieu. Donc, les amis de Galesmo, de Moli, de Aïwa, venez nombreux pour recevoir, ainsi dit l'Éternel. Et je crois que vous devez aussi bénéficier des relations avec l'homme de Dieu et Dieu vous bénira davantage. Donc, il est là ouvert pour nous tous. Donc, nous avons eu la grâce aujourd'hui. Demain, ça peut être une autre église. Donc, il est là pour servir Dieu. Vraiment, merci Mingi. Pasteur Alain, Toko Chité na Lingala, parce que, Batebele, Lingara Kolandayo, Pé na Lingala, Tozalelo, samedi, Oye, les États-Unis d'Amérique, Tolitoyeba, et le konini au même li bananzam. Ouais, d'abord les essengo ko kuta na lusu sur na bananzam be. Ya motu eza o nzamba tie na motu na bay ya ko kabola na lota na nzam be. Pour que na sala o tozo sala. Ba résultat e mona na nzam be azo le kou bana na nzam be ba pambola ma et puis mo sala o et atteindre objectif au Nzambe ya yé so pou fè la vie de nous. Neti na moni toujours ya et pas ba ndeko ba sama kasi to comme si Nzambe mais pas to moni et to ko comme sa ba moni sou makasi pou ba kemba ba za la efficace na tina makasi ne pas du chou de yé pou to ba ki sa. Moi na ma expérience to za na wo, ça fait quand même plus de 20 ans hein, que on fait ça à travers les nations du monde. Le monde est en train de pourquoi Bakulutu, Batata, Bazara, ils ont partagé cette expérience. Ils ont ils ont partagé cette expérience. Combien le ministre soit lobby, la qui ça moi Nanzela Kutambola, Nanzela Nzambe, Nicolégoya Kassima Kutambola Nanzela. Donc c'est dans cette perspective là que nous sommes tous butoya, tout transmettre. C'est comme ça que étant battu Nzambe, battu une invitation, je n'ai pas hésité. Bon d'accord, je serai là. Bon ils ont rappelé c'est mon ami Makasi, dans un conférencier, dans ma conférence est belé. Le roi en Washington n'est pas inaya régulièrement chaque année. Ils ont la conférence de Nene. Il y a Bassal Nanzambe à travers les Kilinios, Inde, Afrique, Amérique latine, Amérique du Nord. Ce qui est là, c'est que nous avons une expérience. Nous avons une expérience. Nous avons une expérience. Nous avons une expérience.
pourquoi est-ce que tu comme ma ngote après la bateau tu es dit que ba koyo ka lusu monoko ya biso malamu koleka. C'est dans cet objectif là que nous sommes là. Mutuna ya suka pasteur ale poto tika yo parce que il faut okene otea makambu bele zo le kawa na ba vina biso yo ko kabwana ya l'église vraiment nazar posa kaka opesa point de vue na yo soki pe conseil po batebele oyoyo ba tala kabiso batuna kabiso ango alors lokolo zape musana nzambe moko oyebana pe nzambe asaela ko makasi tonto yeba ikanisi na yo si ko kabwana na bana nzambe neta ba vina biso koto yo okomona église bazalaki après l'église okoma ekomi belé donc chaque jour l'église obota ba awa yaba ok. D'abord, tout bandana na chaque jour l'église est obota ma ezama bété. Il faut l'église continuer na kobota. Pour y soit lobi, moisson est grande. Mais ma serviteur va ça bouquer. Alors mon itina ngo yonde na za justement awa nelo. Hein, na zo espérer qu'un bon nombre de serviteurs ba kozala. Ou ba za déjà en activité na ba ou ba za na ba aspirant. Ezama texte moko na ngara ope mingi. Mais mon canard Samuel n'est pas basé au Bénin. David dit en latin dit batwa dans le sein à Mapa. Nanda quoi ya nanda quoi Abigail. Tant que batte basé mon bal il n'aime Mapa. Mon bal il a fait sa réponse loco. Naba à Tomboki. Alors bien on peut s'habiller au Mapa t'es beau zoo. David n'est pas. Babi t'es bisous tous à basse ya David. Après ça bah on réponse. Bat mingi baki parangote alobi o na mikolo ya boyi wana ya lobi na mikolo ya bango deja alobi aujourd'hui tozana ba évader mingi ba serviteur mingi bazako s'évader c'est à dire que asili si formation te a s'échapper a s'éclipser a kimina matsa makolo et pa yo azalaki. Pourquoi est-ce qu'il y a des évasions? Pourquoi est-ce qu'il y a des séparations, ba division? Pourquoi? Parce que justement les gens ne sont pas formés, les gens ne sont pas équipés. On ne peut produire au-delà ya oyoyebi. Oza limité na oyoyebi. So oyebi mouke, on produire mouke. So oyebi mingi, on produire mingi. So oyebi mabe, on produire mabe. C'est le résultat ya ba ya oyo batuba yebi. Batuba yebi te. Donc to blâmer batumba la mokote. To pesa na batu chance ya kozala équipé. Moi je suis dans le Redeemed Christian Church of God. Ça fait plus de 20 ans. Je suis toujours là. Na kozolo ba église, surtout pas anglophone. Okuta nuto koko abotama na église wana, koko na ye bana ya ba génération 4 5 générations. Na uto zala na Columbus na Hawaii. Le pasteur qui est là, azamona ye azam pasteur. Alobi azala église depuis des générations. Na église wana bazaka na ye azam deuxième pasteur, ça fait plus de 50 ans. Il faut mon loyauté, fidélité. Pourquoi? Parce que les gens ont été préparés. Donc c'est l'impréparation qui produit ces chaos-là. Hein? Mais en temps normal, on peut préparer des jeunes serviteurs pour les envoyer. Au lieu de palangana ya kokima, mais ils sont envoyés na se à bénédiction. Donc ça, c'est l'idéal. L'idéal, c'est que les gens soient formés, préparés et envoyés. Et non pas boyer. Au Panzi église, aujourd'hui 30 personnes, ok. Au Panzi, aujourd'hui, moi, ok. Là, c'est le désordre qui, malheureusement, dit le mot à peu beau tarate. Et puis, bon ami, parce que, oh, et beau tami, on est beau tami, c'est à rébellion, et beau tami, c'est à impréparation, et beau tami dans toute immaturité. Maintenant, tant que on a immaturité, on a, bah, épreuve, il y a tant, tant que vous avez une réponse, il y a un peu ça. Au moins, il y a un peu de sous, on a, KO et beau tami, séparation, sous et beau tami. Or, ce que c'est là qui tend à yo, c'est parmi les choses qu'on va aborder aujourd'hui. Ce que c'est là qui tend à yo, il y a maturité, au bini sous la bénédiction et l'eau qu'on a malonga. Donc, tout ça, c'est la formation, c'est l'équipement. Il faut préparer les gens, il faut former les gens. Au-delà, il y a charismatique, au-delà, il y a onction, il y a les côtés techniques que les gens négligent. Et c'est là ce que nous sommes en train de vouloir faire. Vraiment, merci Mingi, pasteur Alain. Merci Mingi Berger Ino batubako landabino Mingi ozana message ya suka poto to kabwana ozana message pona peuple de Dieu
Nandenge, Moussa Nzamba Moussa, des jours awa, et puis suite Zanine. Et puis message pour nous, Batutouyo, Barolandayo, Bergein. Message déjà simple, toi y'a tout profité de la grâce. Dengue, Paul Azoba, Timothée, Timothée, mon fils, ne négligez pas les dons qui est en toi. Si nous sommes bien informés, et va donc en ande pour ça la église en Zambé à la site pour le moment. Et c'est important que Pepe en Zambé baya ebele. Ebele baya ko bénéficier de la grâce aux Zamba Pessibusso. Demandez le lot, lobby dimanche, papa za, boya ko bénéficier. Moi, je suis à la malam, il faut attention à ça, mon colo papa. Si on a ça, mon colo papa, c'est difficile pour la malam. Donc, moi, je suis papa, je suis aîné. Nous sommes là, tout prêts pour bénéficier. Dans le talent, on a fait ça pour l'obito à la meilleure. C'est ça ce qui est important. Donc, toi, il est pour bénéficier de la grâce. Merci beaucoup, Berger Hino. Pasteur Alain, vous allez toujours accompagner la maman, toujours dans moi, Sinayo. Maman, vous avez un message, juste dengue bayam bibino awa et puis na ba maman nyonso ba ko reconnaître votre talent yo. Vous avez un message juste pour na tous ici salambi so. Juste ramener la paix sa beauté le patrimoine surtout. Et puis na zo benga baya. Baya ko yoka o nini nzamba ti na mon kwa msali nayi. Ngala za wana juste la compagnie, je suis son intercesseuse. Et puis une aide. Le papa lui dit, derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Je suis là pour l'accompagner. Donc, je fais un appel à tout le monde. Venez, vous serez bénis au nom de Jésus. Merci. Vraiment, merci beaucoup, Pasteur Alain Kipolo. Nous croyons que les gens qui vont suivre cet élément seront bénis énormément. Et avez-vous quelque chose pour clore? Non, que Dieu vous bénisse, vous qui allez nous suivre. Faites une large diffusion et enseignement de ça là, par la suite. Ce sera une grande bénédiction. Kimia et Oumela na mabote na bino, nzamba pesa bino faveur. Surtout na bondeli que place nyonso zwami, héritage nyonso Abraham eza place wana. Nzamba pesa bino. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Alain. Merci beaucoup, Berger Hino. Merci. Et nous allons vous retrouver très prochainement. Merci, bye bye.